La police récite à vle jouen bouchon Timakak dans la boule 12. Parce que la police a toqué kon ensemble avec nèg sa yo. Et selon information gen en pile soldat Timakak qui ta gen tan tombé en bas coup de balle la police. La police te mandé renfort, yo te vini. Bral bon tout détail parce que France LB dit li pa fè le même gens avec Léon Charles. Et dans cadre mission ça pa ba di rien parce que ou bral gen chance ouais. Quel grand soldat qui a opéré en d'un canaran. Ou pral oué état nèg qui a bail national numéro 1, gros problème ça. Et fòm di tout, gen un gros miracle qui fait, ça son miracle lié. Ou pas fouti di ça son l'autre bagaille. Yon jeune garçon recevoir 16 plomb Galil, bail yo pa pèsel, mais yo grafon yel. Mais par un jeune garçon ça, yon nan l'évangile. M'bral bon tout détail et ma foute jeune garçon qui toujours vle pays changer parler comprendre monsieur pété crier monsieur sentini à bout et semblerait-il que la font poser dans question pays d'Haïti. Comment nous y est? M'espère que nous en forme, moi espère que n'a kembe. La police font river dans la boule 12 après tout dégâts que nous connaît mouché Timakak commettre après tout policier monsieur tué. Après tout macaque que monsieur fait, comme nous le sommes macaque, eh bien, la police récite au Kekon ensemble avec Mouchéa. En pile soldat, ti macaque tombé selon le premier élément d'information. Mais, opération ça t'a le temps, mais, c'est par la suite, quelques monde qui t'a manifesté, et puis t'es gen bandit là de tout, soldat ti macaque, ça est façon, information arrive jouer même à Baoula, négotal pillé. On supermarché dans la zone la boule 12. Dans le même moment, la police rive et la police te fait une intervention qui était vraiment extraordinaire. Parce que selon information, il y a un pile soldat Timakak qui boit de l'eau dans. Un pile soldat Timakak qui pas gagné jamais faire des spectacles encore. La police stoppe ou bien blessé yo mortellement. Bagala ta balanti jan compliqué pour la police. La police t'a pral mandé France LB qui s'est DG la police là pour le dégager pour le voyer renfort parce que bataille pas de pitié, bataille a été intensifiée. Eh bien, renfort selon information le arrivé, soldat Timakak qui replié, la police mangé des trois graines Timakak. Ou bien capable dit la police baille des trois graines Timakak, bon j'en fik banane. En tout cas, bravo la popo parce que foyer de gang ça, il faut que li détruit. Il faut que groupe gang ça nek sa yo yo va supposer à l'aise kou mouché blaise dans pays d'Haïti. Bon kite Timakak en aller kounya sou national numéro 1. Est-ce que t'as aimé ouais soldat ou même capable di ka déjà ke violet tout non sanguiné ratier fait on pas que tout non nous estimé qui gen rapport avec déviance. Nous t'aimé ouais jeune garçon qui kembe zam kap théoriser peuple là au niveau des canarans, nek sa yo kap viole moun de barricade sou pa nek sa pa manje anyen ki fret. Et m'a parlé avec un ami, un policier oui. Zami an di kon sa, pito on moun risque nan moment sa la. C'est Matisson va le passer au lieu al prend risque pour passer nan canaran. Un policier dit ça. Il dit pour ça que loué en bas nan moment nan intervention pour ça que loué oui, on moun ki civil, c'est-à-dire un citoyen paisible. Plutôt prend un risque passé. Matisse, oui, a dit, on mode de comparaison le fait, c'est pour le montrer aujourd'hui, je dis, Jean Canaran, il est là, il vraiment commencé à dépasser Matisse. Bon, je me permets de regarder l'image des trois grains voyous sanguinaires qui fait partie des bases qui ont évolué dans Canaran. Jeune petit garçon, mais gros galil nan men yo, ça gen manche kout kote yo jwenni et nèg yo tellement à l'aise avec zam lan, mwen yo te non, on a espace côté peut-être yo vann quelques petits boissons mais on lié côté moun kout ka vin acheter, on lié commercial ka rele le comme ça. Mais nèg yo t'a prend petit plaisir à l'aise oui, koue mouche blaise. On a regardé moi m'a tourner par la suite pour es détail yo. Allô. Vous avez dit bon? Oui, bon. Hein? Vous faire la messe. Déjà, bad bon. Déjà, bad bon. Qui est? Are you? Bracal. Vous êtes bon. Vous êtes bon.
Oui, boss. Bol. Bon, m'passe un dépressant, nous prenons pour être capable de voir l'image que nous avons montré là concernant voyou qui a théorisé un peuple au niveau des canards. Dans la rentrée nationale numéro 1, il est vraiment impraticable. Il faut un grand monde sur vous ou bien il faut avoir une lampe qui l'imé. D'ailleurs, pour faire ça dans un moment, suite avec ça qui me tend des gens de témoignages qui arrivent dans les oreilles. En tout cas, France LB travaille là pas facile, il est vraiment difficile. Et je me sens dans un moment, il y a même bandits après tant d'interventions militaires. Pour que je me sente vraiment confortable, tranquillité d'esprit, pendant que le peuple civil là, il y a un problème lui-même, semblerait-il que les qui ont des âmes qui ont théorisé le peuple là, ils ont plus tard aimé blanc vini. Parce que si vous avez aimé blanc, regardez bien pour un moment, Mouché Ariel lancé à l'aide là qui sont ouais, tout gang levé campé. En pile côté que pas de gang, nèg yo font façon pour créer foyer de gang, nous pas wè ça. En tout cas, bagala vraiment compliqué. Moun ki a di yo pas nan question militaire, d'accord avec nous, mais kounye a ki ça nous même nous proposer. Depuis plus que 5 ans, depuis m capable di ça rien n'importe plus que 10 l'année. Depuis bagala vinn détériorer nan façon ça. Li commencé depuis dans l'année 2011. On mette le comme ça. En tout cas, bagala vraiment compliqué, li vraiment drôle. Kite m di, gen un miracle qui me tombé sous li. Mba ka passer sans pas bon miracle ça. Un jeune garçon selon élément d'information yo parce qu'il gagne vidéo, pas me dire on va jeune toute bagaille. Monsieur, il était la caille. Na espace côté, il t'a prendre l'eau pour t'a régler affaire personnelle li. C'est dans même moment m'a pas l'argent me joindre. C'est dans même moment on t'a demandé paraître sous lit, nèg bien armé, manche longue dans main yo. Yo vide balle sous jeune garçon. Monsieur prend 16 balles parce que yo joine 16 impact dans col, dans l'estomac, en bas coul, am capable dire dans gorgette ni. Dans dol, son bagage qui vraiment grave. Balle yo grave foué monsieur. Monsieur gigoté, tombé, kilbité en bas balle, mais youn nan plon yo pas rentré. Ou tande ça me dit a? Youn nan plon yo pas rentré mes chers amis. Et m'attendé à travers vidéo wa, maman ben capable dit même famille monsieur a dit qui est mieux l'Éternel vous pensez avec comme ça même j'avais musique dit qui monde moyé pour bon Dieu penser avec comme ça faut dire comme ça dame l'a chanté musique ça parce que li wè que petit garçon ça qui prend toute balle ça yo gros calibre yo pas rentré une image c'est pour un fab. On a regardé moi-même par la suite m'a tourné. On a regardé l'image là. Nous capable constater vidéo ça. Son serviteur yo massacré à balle. Tout ça on regardé là c'est mak balle. Meni, tout là yo c'est mak balle. Gros amon kon oui. Meni, c'est mak balle. Il était toujours pour elle pas prendre en balle meni. Meni. Meni, tout bon coup meni. Il était toujours cruel pas prendre en balle pendant la prendre de l'eau. Pendant la prendre de l'eau la Kaili. Men, m'a filmé pour nous. Tout Maxaou et Macbal. Pendant la prendre de l'eau la Kaili. Tout Maxaou c'est Macbal. Yo saccager la balle, ils dit toutes les la virer. Y a balle balle, yo met ton cible sous lui. L'elle tomber yo balle dans dos, il dit pour pas rater le même. Men. Mais ça bon Dieu qu'a fait. Mes amis, OK. Où est oui? Ou un jeune garçon qui a témoigné, qui a vu l'école à travers vidéo pour le dire, elle nous voit plaire et tout. Nous voit côté balio, premier c'est côté le garçon elle. Elle dit balle la vie à force, elle est tombée, elle a gigoté, elle a tiré sur lui, mais il n'a plus pas rentré. Mais il n'a pas pour me signaler à travers vidéo, ça qu'on se regarde là. Mon cap filmé a dit jeune garçon, t'es toujours dit, il pas prendre un balle. Côté jeune croyance là, est-ce que c'est un bon Dieu? Ou bien est-ce que c'est parce que maman l'a prié, le gamin cop l'a prié? Ou bien tout, si fait la coupe fait, ma choquette pas ta vivre. Ça est important. Parce que, il dit, le salut est personnel. Elle dit, maman qui a prié, le fait que maman a prié, c'est pas pour autant. Bon, ça qu'on fait tout parce que bon Dieu, son bon Dieu mystérieux. Tout le monde comme ça. Elle dit, il fait affaire, pas gain opinion de ça, pas gain aucune analyse ou café dans affaire mon Dieu. Mais, ou pas qu'à dire, ou pas comprendre tout, ou pas qu'on est, bon paquet de jeunes garçons, je ne dis pas, qui n'a question gang. On paquet de jeunes garçons qui n'ont mauvaise affaire, les parents pensent que c'est tout le monde qui a gagné la caillou, tandis que par contre, tout le monde a fait, pendant toute existence, parents, sous tes bénis, ils ne peuvent jamais faire par coup ça.
créole parler, créole comprendre. L'autre bagaille qui vraiment important pour me parler avec vous dans vidéo ça. Il y a un citoyen côté nom ma food, un jeune garçon, on est qui très fougueux. On est ou senti dans déclaration dans approche politique qu'elle qu'on fait, ou est-ce on est qui t'a voulu payer le changer parce que nèg veut pousser dans le pousser dans déjà. Mon cher monsieur, mon dernier vidéo côté la parler des problèmes actuels pays d'Haïti, monsieur ma food crier pour un petit bébé. Li grave oui. Ma foute crier pour un petit bébé. Ça dit là un garçon a crié. Et monsieur certain c'est pas premier jeune garçon dans pays d'Haïti qui t'a aimé bagay yo changer qui crié. On a le garder pas pour un pile temps non, on a le fonti garder comment monsieur pas ta kembe de l'eau dans gel pour gens la vivre réalité pays. On a le garder moi même m'a tourner par la suite. Li probable pou pa chanm pale nan kaka peyi nou anpon. Pa nan chanm nou anpon. Krasè m pa nan kaka nou an, fè kaka nou an peyi nou. Den nou bouke nan kampe. Ok, nou wè tout bagay. Mwen men map din sa kler. Ki kek fwa, ki kek emisyon map vin fè la, jèm kouri dlo avan menm komanse pale. Étant donné m pa ka montre émotion nan émission an, m jere ça les mi comme tayen, mais wap d'accord avec m moun ka pa la volal son haïtien natif natal m fait nan l'hôpital Isaïe Gentil ke n connais son chancel nan commune Pétionville, c'est-à-dire code nombre mwen li enterré nan pays d'Haïti. Ça k'ap passé ou là en vérité vraiment frustrant, mais ki laisse a changer, c'est ça qui panique m, c'est ça qui dérange m, c'est ça qui mon problème, c'est ça qui bouleverse m. Piès pour ne pas jouer, pour qu'on ait une réponse si là. Moi, je dis ça. Moun qui pas vle force militaire là, rentre dans le pays là, parce que nous avons plus de 10 ans, depuis que nous connaissons ça, nous connaissons là, qui c'est gangsterisation, qui ça nous propose. Et yon bagay ke moi, je vle moi-même qui dans confusion, moun qui t'a demandé force militaire 1 an, 2 ans de cela, je ne dis pas, je dis non, pas qu'il y ait force militaire. Pas qu'à une force étrangère dans le pays. Qui raison? Qui va changer le discours? Tandis que vous avez le même discours. Appel payé pour le président tire Sénat. Il fait des demandes là n'importe deux fois déjà. Mais qu'on y a, les fois. Mais quand on fait l'estomac, il dit pas d'accord. Ça passe. Qui ça lié? Qui formule? Qui ça nous propose? Ça est important. Je vais vous à travers les commentaires. Le demande formulé, il n'a pas joué une réponse favorable tout de suite. D'ailleurs, si vous regardez phrase que Mounio utilisait dans la résolution qui c'est déploiement immédiat. En bon créole, il dit sans perdre de temps. Ça c'est un. Et deuxièmement, si vous regardez raison yo bay qui fait vous formuler deux modèles qui c'est choléra qui vous fait surface, crise humanitaire là qui sont en route pour le vin aigu, et bien vous dites comme ça que il faut nécessairement avoir une force rapide. Yo capable bataille contre action criminelle bandi ak zam yo qui yo même bay sanye la comme insécurité généralisée qui vient permettre que un gaz la pas disponible dans pompe yo, deux l'école pas ka l'ouvri, et trois l'état pas fonctionner normalement, pour pas dire l'état pas fonctionner du tout. Mais maintenant la grande question que moun a posé konya, est-ce que gouvernement a joine en réponse favorable bon côté international là. Hier, nous te bay nouvelle là, nous te dit gouvernement ak peyi a dwe tann jusqu'à 21 octobre 2022 pour konnen si oui ou non est-ce que Nations Unies pral répondre de manière positive à demande pays d'Haïti. Moi te dit ça là, entre hier nous te bay nouvelle là à 21 octobre k ap vin là, bon paquet de données qui a changé. Bon paquet d'éléments, bon paquet de paramètres qui a changé. Et me penser c'est pas moun qui a suivi, c'est pas observateur avisé qui pral dit le contraire. Des même font blague. Me dit ça qui arrivé, équipe Ariel Henry a sollicité force étrangère là et puis c'est pas eux même qui bénéficient. C'est pas parce que me gon information non, c'est peut-être dans analyse moins dans clairvoyance moins à partir des faits. Qui donc c'est dans contexte ça sous secrétaire d'État américain monsieur Brian Nichols après rentrer dans pays a li doit rencontrer jodi a demain si Dieu veut premier ministre
PIA, M. Ariel Henry. Brian Nichols doit rencontrer également des acteurs de l'accord Montana, mettez avec peine gré modifié. Et nous apprenons les gens qui t'ont représenté l'accord Montana, c'est des gens qui ont BSA, tant que Magali Komodoni, et puis professeur Jacques Ted Syndic. Et Brian Nichols t'a dû rencontrer tout. Il y a un monde tant que Fritz Alphonse Jean, qui est président élu à Montana, et également premier ministre élu à ancien sénateur Steven Evenson Benoît. À ça, nous avons comme information, est-ce que Brian Nichols a rencontré monsieur SDP qui n'est pas dans le pouvoir, on m'a parlé de branche Nenel Kassi, moi pas gagne information ça. Est-ce que Brian Nichols a rencontré un monde tant que Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, nous pas gagne information ça. Est-ce que Brian Nichols a rencontré un monde tant que Joseph Lambert qui est président du Sénat? Non. Et c'est ça Joseph Lambert répond journal Le Nouveliste. Est-ce que Brian Nichols a rencontré des monde dans la société civile là? Probablement oui. Maintenant, pour nous comprendre ces rencontres, il faut que nous allions en juillet 2022 pour nous aller dans la résolution 2645 du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution ça n'a pas changé, qui était adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la résolution, ça a trois éléments là-dedans. Premier élément, c'était renouvellement mandat BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, jusqu'au 15 juillet 2023. Deuxième élément qui était dans la résolution 2645, c'était conseil là qui était prié gouvernement haïtien, M. Ariel Henry, M. Dame Ariel Henry, pour dégager au comète Jean-Jacques pour rejoindre un accord politique qui va permettre que vous organisez l'élection en un pays le plus vite que possible. Et troisième élément qui est dans la résolution 2645 là, qui attire l'attention, c'était côté État membre des Nations Unies qui a frappé pied à terre contre la violence gang armée en un pays. Et il y a des délégations comme la Chine qui ont même exigé un délai de 90 jours pour cesser le feu en un pays, pour un arrêt immédiat dans l'action gang criminelle. Et c'est en fonction de la résolution ça que le gouvernement haïtien pral gagner pour présenter un rapport détaillé de avancement qui fait dans le cadre de recherche à solution crise pluridimensionnelle nous là. Donc 21 octobre Gabvin là, il pral un jour décisif pour pays là, parce que autorité haïtienne yo pral gagner pour venir dire dans l'intervalle qui ça qui fait pour résoudre problème politique là. Et m'a demandé si c'est pas une mise en scène, est-ce que conseil là pral capitaliser sur ça pour capable déterminer si oui ou non il y a voyé une force étrangère en dans pays là. Deuxième bar la République doit connaître dans réunion ça il y a pral pencher sur un élément en dans résolution 2645 là qui te prévoit pour chercher connaître qui est-ce qui financer gang yo en dans pays là. N'a pas songé secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, n'a pas songé et au fonctionnaire américain Gonzalez qui était clairement dit que il y a des monde yo connaît qui dans secteur privé des affaires là, il y a des monde qui dans secteur politique là qui financer gang. Et bien 21 octobre qui vient là, conseil a déjà gon liste nan men, pas oublier dans 77e assemblée générale qui était faite là, il y a des pays qui était exigé que représentante secrétaire général en Haïti madame Hélène Lalim aille chercher connait qui est qui non seulement chef gang yo mais qui a financé yo, qui sponsorisé yo, font liste exhaustive pour soumettre bay conseil là. Et me pense ça va discuter dans jour qui va venir là. Et selon information moins gagné, gen liste qui déjà dans main international là. Gen moun qui dans secteur privé a yo connaît qui de connivence avec gang qui permettre que zam, munitions, l'argent a joindre gang yo dans pays a. Gen moun qui dans secteur politique là également qui déjà indexé. Et pas oublier récemment, congrès américain te recevoir des gens dans la société civile haïtienne, tant pour des gens au niveau du RNDDH, qui probablement eux-mêmes font un topo de situation par rapport à la question de gang armée. Ils ont rencontré tous les gens de Petro Challenger, dans nos papes dormis, ils ont rencontré
par exemple, des anciens hauts fonctionnaires dans l'État, comme Madame Pamela White, et qui n'est pas qui te dit, et bien tout ça, il va discuter 21 octobre Cap Vinla, dans la réunion qu'a fait avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour y aller pencher sur la nécessité pour répondre ou pas à la demande et pays d'Haïti à sur question force étrangère. Donc ça veut dire ça, il y a des gens là, une minute en parler avant la pays d'Haïti qui commence à vote passé, qui commence pas à dormir bien, parce qu'il a posé cette question, est-ce que nous avons dans l'État? Et dans les gens, probablement, ils sont capables d'en pouvoir. Yo capable dans opposition, yo capable dans secteur privé des affaires là, yo capable tout dans secteur politique là tout carrément. Donc ce qui est important, visite Brian Nicholsa, li pral fondamental dans la mesure où il t'a dû déboucher sur un document, probablement gouverneur gagne pour pencher sur lui pour la présenter devant Nations Unies le 21 octobre Cap Vini là, parce que yo exige ça dans résolution 2645 là, yo t'ai dit faut Ariel Henry dégager le combat Jean-Jacques 17 octobre Cap Vinla au plus tard pour le présenter un rapport sur qui ça qui fait pour permettre que gain stabilité dans le pays a gain disposition qui prend pour organiser élection et ni moins ni où entre juillet 2022 à octobre n'a parlé là nous connaît pertinemment pas gain sérieux fait au contraire la situation ne fait que s'empirer. Donc Ariel Henry avec équipe li pas qu'à bailler tête non satisfait pas qu'à commencer fêter pas qu'à dormir bien. Parce que tout simplement, ils font demande pour les forces étrangères venir dans le pays. Peut-être que tu passes une étape vide rapide, ça qui t'a permettre que vous consolider le pouvoir ou bien renforcer le pouvoir dans l'intervalle. Mais attention, tout le bagage pour dit, il faudra attendre jusqu'au 21 octobre Cap Vinla pour qu'on ait. Est-ce qu'il y a accordé et une réponse favorable ou ensuite favorable à la demande du pays d'Haïti? Et deuxième bagage pour nous connaître tout, une bataille géopolitique sous dossier Haïti. Parce que pas oublié, M. Bono t'a dit là hier. Donc le Canada lui-même il t'a très intéressé si tu as une force étrangère qui vient dans le pays pour ce leadership là, ce que les États-Unis lui-même non, tu pas d'accord non, au contraire ce que les États-Unis embrassaient, il t'a plus bien contenté le Canada actuel, alors que la Chine et la Russie n'a pas songé dans dernière sortie, tu dit les Nations Unies ont échoué en Haïti. Donc eux même, il y a une façon par eux t'a remé si jamais une force qui vient là pour intégrer ou bien pour backup. Donc si c'est la Chine, si c'est là où c'est qui prend, donc où déjà qu'on est, qui vient ça déranger les États-Unis. Donc, est-ce que Haïti a joué une force là ou pas? Faut que nous tenions Brian Nichols aller après rencontre qu'a fait semaine ça pour qu'on ait qui ça qu'a sorti et faut que nous connaissons tout qui ça qu'a dit 21 octobre qu'a vu là, dans une réunion ça qu'a fait là côté gouvernement haïtien va gagner pour présenter un rapport détaillé dans question solution qu'a cherché à crise là. Par contre, on se rappelle hier l'un de vos questions ça et si blanc t'a répondu à un t'as un rapport défavorable ou bien pas ta répondre positif à rapport non? Oui, il est possible, mais les ça yo capable tout et virer vers l'OEA. Est-ce que l'OEA a gagné instrument légal dans mel pour qu'a dépêcher en mission internationale ici? Je ne crois pas. On connaît ça revient aux Nations Unies. Cependant, les 19 pays où est qui favorable à on venir en force étrangère en dans pays a au niveau de l'OEA, bah vous prendre la légère. Peut-être si les Nations Unies ont refusé, donc il se pourrait bien que l'OEA ait droit de bon et un État membre qui est en difficulté de concert avec le gouvernement. Donc il y a ou bien plusieurs pays qui ont décidé pour venir prêter main forte à un pays ça qui est en difficulté à venir résoudre un problème. Mais ça aussi des interrogations. Mais ce qui est certain, il faut que nous assez passé pour nous donner 21 octobre à venir là pour qu'on ait qui ça peut faire. D'autres questions d'Arme Vozo. Est-ce que selon vous-même, vous pensez que démarche Ariel Henry ou bien gouvernement, l'ichita vraiment sur garantie sécurité ou bien résoudre problème choléra ou bien c'est peur pour assurer Ariel parce que vous estimez que yo pas à l'abri. Moi me bagay élément réponse pour ça mais sauf que dans liste non exhaustive de questions m'te fait lundi matin elle était là-dedans. M'te dit est-ce que yo sincère dans démarche là? Et moi même personnellement, j'ai information que des monde dans gouvernement qui pensait force t'a venir déjà. Oui, même j'ai monde qui dit yo pensait que c'était une simple formalité. J'ai monde qui pensait depuis lundi. Et puis lundi matin ou bien dans les 48 heures qui suivent, 72 heures qui suivent, donc blanc t'a gagné dans pays là. J'ai monde qui t'a pensé ça. Oui, j'ai monde qui pensait ça. Mais c'est pas le cas, il faudra attendre jusqu'au 21 octobre 2022 pour qu'on ait si oui ou non est-ce que force a venu, si a venu comme a venu et si a venu tout qui est-ce qu'a bien leadership là, mais pas oublier une bataille géopolitique au plus haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on ait si jamais a bon force
qui est qui a bien leadership là. Et si jamais on arrive à entendre, faites confiance, le conseil a décidé de rejeter demande pays d'Haïti. Est-ce que nous avons Haïti son petit monde que l'international a décidé pour nous? En avance dans le journal. En tout cas. Certains dirigeants politiques et représentants diverses organisations dans la société civile n'ont pas espéré en rien concret dans le cadre de rencontre qui doit dérouler entre différents acteurs et le secrétaire d'État pour les affaires hémisphériques et occidentales, Brian Nichols, dirigeant Parti Union, Clarence Renoir, coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui est toute solution à la crise doit passer à travers les acteurs nationaux. Dirigeant Sayo souhaité protagoniste, mettre intérêt personnel sous côté. Une façon pour empêcher étrangers continuer vin décider non citoyens haïtiens yo en suivant un dossier avec collaborateur nous Reginald Rémy. Sous-secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphère occidental là, Brian Nichols, t'a dû rentrer dans pays à journée mardi 11 octobre 2022 à. Pendant visite li, l'a bien pouchita parler en divers acteurs qui impliqués dans crise là, parmi yo Eli Montanayo, dirigeant politique ak nan société civile là. Qui sa pays a dû attendre de visite si là, coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan paraît pessimiste. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne suis pas certain de l'issue parce que eux-mêmes y a défendre intérêt américain. Il y a des fonds d'intérêt par eux. Ce n'est pas moi qui viens là pour résoudre problème haïtien. Je viens là pour résoudre problème par eux, pour sécuriser l'intérêt par eux. L'intérêt régional, beaucoup plus qu'un intérêt spécifique d'Haïti. Les critiques et acteurs qui refusaient de mettre tête ensemble pour éviter la communauté internationale là, suspendent décider pour Haïti. Nous avons un pays que systématiquement ils ont quitté aller vers la faillite. Nous avons des dirigeants qui participaient à la faillite du pays. Nous avons des dirigeants qui pas bien, ça a besoin comme dirigeant pour vraiment prendre le tour par les cornes, échanger les données, surtout de grandes instructions pour prendre de étrangers pour opérer. Maintenant, comme dirigeant qui l'a eu, il a coupé les chiens, tant pis, s'il vous plaît, faire pour nous, ça ne va pas faire. Donc, l'entabinoué, il y a un problème faire d'après eux qui peut porter un remède. Alors, c'est ça le drame pour nous. C'est pas première visite sous secrétaire d'État dans le pays d'Haïti. Diplomate là déjà chita parlé à Cacteyo, spécialement plus passé une quinzaine parti politique. Dirigeant politique Clarence Renoir dit le regret jusqu'à présent Cacteyo pas arrivé mettre tête ensemble. Clarence Renoir continue plaider en faveur d'une solution entre haïtiens. Notre visite c'était la première fois, on était témoin d'un bagage que il a dit il souhaitait que haïtiens rejoignent ensemble une solution à crise là parce que américains reconnaissent eux-mêmes que vous faites des erreurs. Dans le traitement dossier Haïti, et a souhaité que Jodia, Konya, c'est Haïtien qui a une solution pour Kodjou. Malheureusement, il y a un an passé depuis la déclaration ça a été fait. Et bon côté, pas nous, nous-mêmes Haïtiens, nous ne pouvons jamais faire rien. C'est même une tentative qui a été faite en 3 ou 4 personnes qui étaient en réunion pour nous dire qu'on une réunion entre nous-mêmes Haïtiens, réunion va marcher. Haïtiens va venir là-dedans. On dirait nous conditionner cette nous. Pour que c'est blanc qui réunit nous. Pourquoi blanc vient de convoquer nous pour nous toutes là? Mais nous-mêmes, entre nous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Unir par appeler entrer dans la logique ça. Dialogue inter-haïtien pour dirigeant parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation, hein? C'est seul moyen pour sortir pays dans la crise sans pareil la traversée. L'idée politique là avance plusieurs raisons pour montrer nécessité d'un vrai chita parler entre tout petit pays. Unir penser et nous lancer un message suffisamment déjà pour nous dire qu'il faut que haïtiens soient capables de chita ensemble pour dialoguer. Plus que nos solutions. En réalité, si message nous, différents secteurs politiques, tu étais contre il y a un pile mal privé dans le pays, ça t'est arrivé peut-être, c'est pas que nous avons peut-être nos raisons, mais nous, quoi, fondamentalement, nous avons une conviction profonde ça, que dialogue sincère, franc par rapport à la situation exécrable, intolérable, invivable que peut-être à vivre là, dialogue là, ça permet de nous entrevoir ensemble des solutions qui sont capables d'éviter nous la honte que nous avons préparée pour nous prendre. Clarence Renoir fait appel à un dépassement pour éviter pays à continuer à enfoncer. C'est dans la crise pour lycée en honte laisser étrangers cap mettre haïtiens chita ensemble. C'est comme d'agadou nous c'est des élèves, des directeurs d'école venir à convoquer nous dans réunion et nous obliger à la réunion pour nous tendre ça à nous. Ou bien pour nous tendre ça à faire pour nous tendre ça à ba nous. Mais Haïti son pays grand monde, son pays indépendant, son pays souverain, haïtien est supposé des comportements dignes de pays pour nous dire en nous chita ensemble nous même nous réunis pour ne pas besoin quitter ces convoqué pour convoquer dans des réunions. Même Jacques dirigeant Union nationale pour intégrité et réconciliation en pile l'autre secteur pas suspendre plaider en faveur en solution haïtienne pour arriver résoudre crise là. En pile tentative déjà faite mais acteur pas jamais arriver mettre tête ensemble intérêt personnel toujours la guerre dans gros division pendant ça pays a continué à enfoncer dans crise. Reginald Rémy Caraïbes FM.
Réginald Gain, la Maison Blanche qui confirme yo recevoir officiellement demande gouvernement haïtien, demande qui mandé pour yo voyer en force militaire en Haïti pour li compte pour lutter contre anarchie gang yo créé dans pays États-Unis a examiné demande là en coordination avec partenaires internationaux yo nouvelle aide humanitaire yo al jeune peuple à nous cité Karine Jean-Pierre porte-parole la Maison Blanche déclaration li fait hier dans une conférence pour la presse n'a pral gagner un extrait de déclaration ça Luxon Saint-Ville traduit pour nous. So the United States, we're reviewing the government of Haiti's request in coordination with international partners. États-Unis a examiné demande gouvernement haïtien en coordination. So the United States, we're reviewing the government of Haiti's request in coordination with international partners. États-Unis a examiné demande gouvernement haïtien en coordination avec partenaires internationaux. N'a dégagé nous pour nous comment nous ka fè moun ki responsable violence yo payer pour ça qui a fait yo et puis et augmenter si pon a bay pour aider résoudre problème gaz ak problème sécurité a qui empêcher aide humanitaire aussi qu'il est dans l'idée pour camper propagation choléra j'en connais là. Alors pi gros priorité nous c'est veiller pour aide hygiène arriver joindre peuple haïtien cap gagner la donne aide médicale essentielle pour aider nous bataille contre épidémie choléra. So the United States we're reviewing the government il ça pour venir protéger pouvoir aucun responsable ak dirigeant pas droit accepter chita Ariel Henry sinon il y a pas considéré yo comme traite qui violait intégrité nation d'après Imler Ribu qui était parlé à Capitason Luxama. Personnellement je considère que docteur Ariel Henry utilise mon que les ministres pour prendre pause si on papier commander c'est pas lui commander non. Matériel et équipement qu'il faut.
Colonel Himmler rebut l'autre information dans même dans chapitre ça c'est autorité l'état qui doit dégager pour bailler sécurité à population d'après déclaration responsable unir là Clarence Renoir qui t'a réagi sous demande gouvernement haïtien pour demander aux communautés internationales là voyer militaires étrangers pour venir résoudre problème gang yo démarche ça pas gain rien pour la question souveraineté d'après leader politique là qui m'a dit à gouvernement pour annuler résolution ça Clarence Renoir t'a parlé à collaborateur nous Jose Varin. Nous reconnaissons que nos sociétés côté effectivement problème gang là sont problème sérieux relié gang yo dit gagner entre 200 et plus gang gagne plus que 500 000 armes à feu de tout calibre de toute portée puissance qui a circulé dans le pays ce qui est illégal il va le mettre force de sécurité légale là-haut donc long gang formé l'a fait dégâts l'a fait kidnapping il est pas normal dans la société. Mais travail pour maîtriser gang là, travail pour éliminer si mot pas trop violent dans le sens que nous dit là, en tout cas pour neutraliser, si vous voulez dire dans l'autre sens toujours, et action des groupes illégaux, c'est travail des forces de sécurité nationale, la police et l'armée qui doit entraîner pour faire. Évidemment, insécurité, c'est un phénomène qui est plus large que ça, qui est plus complexe que ça. Il y a d'autres aspects là-dedans et il y a aspect politique. Il y a aspect économique, il y a aspect social là-dedans. De toutes les manières, c'est des groupes illégaux qui ont fonctionné. Il faut que l'État joigne un moyen pour stopper la question ça. Maintenant, dans la position PAM, moi-même, Clarence Renoir, et pour unir, nous pensons que l'État fait pour commencer le travail ça. L'État fait pour engager et nous parler ça. Nous parlons de la police nationale là, suffisamment souterrain à Boumen matin, midi, soir, avec des unités qui Boumen dans chaque quartier côté gang pour retirer. Au contraire, moi, la police, c'est courir, quitter des quartiers, bah, gang. Grand problème. Le problème, non, je dois étudier en dans l'institution. Est-ce que manque moun? Est-ce que manque équipement? Est-ce que manque motivation pour que la police fasse travail? Là, nous finissons de ça. Haïti doit demander une coopération internationale. Haïti fait partie d'une communauté internationale. Haïti fait partie d'une série d'instances internationales. Donc Haïti, si il y a une faiblesse au niveau de force nationale, il doit demander des experts, des techniciens, venir accompagner, venir faire une stratégie et tactique, technique ou tactique pour lui résoudre le problème. Ça, il doit demander, puis au Bali, ou bien pour l'acheter plus d'armes, tant que le gouvernement a fait intervention pour l'acheter des chars blindés à l'étranger pour qu'on faire travailler ça. Ça, c'est bon bagage là. Mais est-ce que un responsable national d'un pays est capable de demander une intervention étrangère dans le pays pour quelle que soit la raison? Là, on dit non. On pense que c'est une dérive grave qui a mené nous vers une mise sous tutelle de manière permanente ou tout au moins longue, côté nous perdu tout droit, toute souveraineté nous, toute indépendance nous comme nation. Nous pensons que pour nous préserver souveraineté nous, qui est déjà fragilisée par plusieurs problèmes que nous avons dans le pays, problèmes politiques, instabilité, problèmes d'insécurité, c'est vrai, mais nous devons créer propre capacité, pas nous, pour nous défendre tête nous. D'autant que ce n'est pas l'ennemi étranger qui attaque nous. C'est un problème social qui est dans le pays. Faut que l'État, qui prend taxe sur le monde chaque jour, qui prend impôt, qui faut payer impôt, et bien, faut que l'État joue un moyen pour résoudre le problème. FEM, journal créole.